Finally man, j'ai enfin fini de faire mes quartz. Alors c'est pas les meilleurs setups, mais on va les améliorer pendant qu'on joue. J'ai mis des quartz à tout le monde, j'ai acheté tellement de trucs, j'ai fait tellement de bazar que j'en peux plus. J'ai l'impression qu'on a passé une heure à faire ça. On va pouvoir enchaîner le donjon, mais ça fait partie du jeu hein. Moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est long et ça prend beaucoup de concentration. Espérons que ça se passe bien. Ah merde, maintenant j'ai vu que j'avais une... Ouais, peu importe. Let's go. Est-ce que je joue avec cette team comme ça? Juste check vite fait les dispositions. Est-ce qu'Eliott est comme ça, c'est chiant ou pas? Je m'en rends pas compte. En fait c'est lui, si je le fais pop à un moment il sera là et puis c'est tout tu vois. Ouais, on va jouer comme ça. Pour ce qui est du reste, je pense qu'on est good. Il y a juste un truc que je vais faire avec le héros, c'est que je vais XP tous les Master Quartz au niveau max à chaque fois parce que je les ai mis en level up d'un coup. Comme ça on s'amuse bien. Bon, on peut y aller. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Les portes sont fermées. What the fuck? Mais le chat est avec nous hein. Enfin les portes sont fermées hein, une qui est ouverte. Très bien. Donc vraiment je peux aller d'une seule route en fait. Ok, y'a pas de dialogue ou quoi, c'est normal. Une seule route de disponible, on avance. Alors moi je me suis pas raté, j'ai mis le truc detection. Et un coffre... Attends, y'a pas d'ennemis ou quoi dans cette zone? Oula. Je tapais dans un truc. Ok, ça active le portail rouge. Jusque là c'est pas sorcier. Gameplay de jeu vidéo. Pam pam padam pam pam padam pam pam. Des bottes du kaléidoscope. Merde. Ils sont où exactement? Kaléidoscope boots, c'est pour les waifus? Oui, kaléidoscope boots. Incroyable. Droit. J'aime beaucoup le design et la musique de la zone. Hein. Merde. Oh, j'ai même pas eu le temps de... Ok. Ça pue déjà la merde, Sturt. Alors on est dans les zones avec des hauts éléments de l'élémentisme quoi. Alors elle, je lui ai mis un truc qui fait que sa première attaque elle va faire mal. That's an attack hein. Ok, les persos rigolent pas hein. Vermis au niveau max. Les dégâts sont multipliés par 2 plus 1000 PV par ennemi tué, 5% de chance d'infliger brûlure. Mistral level 5, Judgment Ball, 5 tours de bonus, 30% de chance de mettre des coups critiques quand je suis dans la merde. Niral niveau 5. Voyons voir, Phantomphobia, plus de PM, parfait. Nickel. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des quartz sur bas niveau max. Pour un peu ce que ça donne. Enfin, moi j'avais force, ah bah force il est maxé. Je sais pas, mettre Taurus sur mon perso. Après pas que j'oublie qui avait quoi, hein. Elle avait Brave. De toute façon je les ai pris en photo, vas-y tu sais quoi. Elle a Brave, je vais lui mettre... Ouais, je vais mettre Wing, puis la Mistral, je vais mettre Thor, puis la Aerie, je vais mettre Cannon, et la Mirage, je vais mettre Pandora, et la Criminal, je vais mettre, je sais pas moi, Cypher, et lui, la Iron, je vais mettre un qui est pas maxé,
Pas emblème. Angel. Bah 4Z, allez. Ils ont tous un qui est pas maxé là. Niveau 3, niveau 3, niveau 3, niveau 2, niveau 4, niveau 2, niveau 3. Je tente de quelques combats. Oh ma. Ouais, on va. Ah oui, faut que j'analyse les mobs. Non, ils se sont pas analysés parce qu'ils se sont fait tuer, non? Alors, on est considéré dans le level 7. Sturf. Ah non, pas du tout. C'est qui a le truc pour one shot et analyser? C'est elle, un Dragon Vision. Faut que je mette quand même sur le héros, je pense. Que je vais mettre Dragon Vision à lui. Et elle, je lui mets. Un truc de stat énervé. Cross Crusade, 400 PV, 8 de force. Juste attaque 2 hein, pour pas rigoler. Nous on hurle pas. Faut réussir à l'attaquer dans le dos. Oui, en fait. Triple advantage. D'habitude je joue avec ça. Hein. Mais bon. Et là c'est elle qui. Vraiment. Grosse niveau 4, grande presse. Level 3. Dans level 5. Ah! Sort qu'il donne Ragnar Vortex. Là, je vais lui laisser, hein. Ça développe, ça développe. Dans le sens où. Qu'est-ce que je voulais vérifier? Ouais, lui il avait tort et je lui avais mis Mistral avant. Il a des bonus d'ATS quand même. Et il s'arrête à Judgment Bolt alors que là il y a Ragnar quoi. On va voir après. Niveau stats c'est pas mieux. Ore no bandana. Il y a pas les liens. Je disais bien qu'il manquait un truc stylé dans le jeu. Ouais, ça allait tellement vite, c'est abusé. Quel plaisir. Nice. Je sais plus dans quel côté j'étais, ok. Du coup là-bas c'est bloqué, ouais, autant taper tout de suite le truc. Oh, le dragon blanc aux yeux bleus. On va faire une motivation. Ils vont peut-être faire mal. Ça va. J'ai connu pire quoi. Mais. Nice. Ah. Oh, il a des Emuria. Oh.
Non, celui-là, je crois qu'il était, il était fait pour qu'on le trouve. Ah, attendez. On va vérifier que tout a été pris. Genre, alors moi, je vais remettre 20 millions déjà. Alors, je vais remettre ce qu'ils avaient. Je vais remettre ce qu'ils avaient, je vais remettre ce qu'ils avaient. Donc, c'était Vermillon, Into Brave, Into Mistral, Into Aeris, Into Mirage, Into Criminal, Into Iron. Voilà. Donc là, je vais voir si les leurs sont niveau 5. Falco, je peux le retirer. Je peux lui mettre Force. Aegis, je vais mettre Taurus. Juggler, je vais mettre. Bah, Juggler, il est déjà niveau max. Et du coup, sur moi, je vais mettre celui de la petite. Qui du coup était. Aegis. Et lui, il avait. Il avait Wing, Thor, je sais plus, il avait Falco, voilà. Non, je vais voir s'il y en a un autre, Mistral, donc on va tout aller tout en bas, 5, 5, 5, 4, Emblème, Emblème et Mobius, peut-être les 3 jaunes dans encore level up. 3 jaunes dans encore level up, Falco, mais j'ai déjà pris, Orochi, Recept, ok, il y en a encore plein en fait. 24. FZ, Thorwing, Falco, Vermillon, Orochi, Orochi, et Sept. Les zones suivantes. Zone suivante, une petite ligne droite. Je vais refoncer dedans parce que ça va être compliqué. Et... l'analyse des ennemis. Tout le monde a analysé sauf le dragon, les soldats rouges. Truc là-bas à gauche, je suis tombé ici. Ah, et là en face c'est ouvert, ok. Est-ce que je peux cuisiner? Toujours pas, hein. Globifat il veut pas. Hein. Ok. Pas que j'oublie d'utiliser hein, les pouvoirs, voilà, ça abusé. The Ram Powder. Une robe pour les waifus. Très très bien hein. Faut des trucs de fou. Et la dernière zone est ouverte. On va revenir en arrière du coup cette fois.
La dernière zone est là-bas. Mais avant, j'ai peur que... Que je trouve pas le mob de feu, alors je vais aller le taper. Et j'ai peur de pas trouver du Globifat. Alors je vais regarder dans quel étage du donjon il y aurait pas des ennemis comme ça. Merde. Je vais juste taper cette truc vite fait. Un petit ennemi rouge qui traîne là. Attendez, je pense parce que la première zone était. Ah bah voilà, si. Donc quoi, il n'y avait pas un million, hein. Merde. Ah, je vais mettre un statut direct, bah vas-y. Nice. L'ennemi est scouted. Dans le niveau 6, ok, c'est les mobs un peu gelés comme ça. Ouais, ça c'est du Globifat. Gardez un étage où il y a le plus de mobs qui le lâchent. Au pire, je vais juste dans l'étage 6 vite fait. Bon, on va. Je vais faire demi-tour. Non, c'est la dernière porte en haut à droite de la zone 1, de la zone de départ, qui mène à la suite du jeu. Donc juste là. Mais avant d'y aller, je vais finir la dernière recette dont j'ai besoin pour l'achievement de cuisine. Je mets pause et je reviens. Bon. Je crois que c'est bon. Je crois que là, elle va être en mode. Oh, Mai, t'as tout cuisiné, t'es trop fort. Oh, on s'en fout. Et du coup, j'ai gagné un truc. Oh, pas du tout. Elle m'a donné un master quartz ou juste un quartz? Putain, j'aurais dû regarder. Ouais, qu'elle m'a donné quoi? Bon, déjà, j'ai gagné Yokai Gem. Ah, je sais pas ce qu'elle m'a donné, je vais aller refaire. Parce qu'elle m'a donné. J'ai réussi à trouver ce qu'il fallait pour cuisiner, etc. Mais elle m'a donné quoi? Oh my. Oh my. Oh. L'air dégueulasse. Mais laisse-moi tranquille. Magus m'a bien donné un Master Quartz. Lui des mages. C'est-à-dire que c'est pour la waifu, ça. Ah, mais il est tout en bas, mais on voit pas. Ok, niveau 4. Les dégâts des sorts sont plus forts, moins on a de PV. Et les sorts sont plus larges. Oh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal pour elle à la place de Mirage, je trouve. Parce que là, la fantôme avec Mirage, elle gagne de la mana par kill, mais ça sert à rien pour elle. Et avec ça, elle a pas de chouette spell. Alors elle perd. Elle a beaucoup de gros spells d'attaque. Hein. Et elle a qu'un seul gros spell de heal. Hein. J'aimerais limite lui mettre. Retirer un truc et lui mettre autre chose, mais bon. Ouais, elle tape fort. Hein. Ouais, elle tape fort. Ouais, elle tape fort. Hein. 711. Ah ouais, elle tape très fort. Hein. Bon, j'aime beaucoup. On va pouvoir retourner au donjon. Ah si, voilà, tout est good. Ok. Ah, rappelle-moi si on doit faire un donjon final d'IA, de pas t'appeler. T'es capable de me dire, attends, je fais de la cuisine. Bah ouais, c'est normal. En plein fight, on sort les casseroles, tu sais. Comme Pipin et l'autre, comment ça s'appelle, Merde. Ils sortent les casseroles pendant qu'ils campent et tout, alors faut pas allumer de feu. Toi, hein. En plein siège, je sais. Ah, j'ai plus de... Très bien. Pas que j'utilise à utiliser les bursts, etc. Magus niveau 5. Alors, multiplier les trucs par 2, ARA de spell plus 2. Et quand on a peu de PV, on gagne un buff de magie, de défense magique.
une fois par combat quand au moins de pareil, pareil. Et en plus j'ai le spell ultime truc solarium et spectre n'XP pas. Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire en sorte que spectre XP quoi. On va voir si l'XP au prochain combat, sinon je dois relancer le jeu peut-être. Ça a l'air bugué. La passion rouge. Ne vous inquiétez pas, je suis passionné moi. Un petit boss là. On avance dans les méandres de l'oubli. On va du côté coffre d'abord. Oh. Mais il me remarque, hey, j'ai un truc qui fait scent ou je rêve? Alors est-ce qu'elle va toujours avoir le bonus de dégâts? Comment? Mais ce déplacement... Ouais, elle l'a... Mon gars, hey, ça fait mal hein. Oui, il continue à XP donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Oh, en plus c'est un coffre de combat, je suis trop heureux. Tellement heureux que je vais peut-être faire un petit truc. Mettre Emma, parce que Emma c'est un peu ma waifu. D'ailleurs vu que c'est ma waifu, je vais la mettre à côté de moi. Mais vu que j'aime bien les waifu, je vais mettre les waifu plus proches. Hein. Oh les coffres de combat. Hein. Les meilleurs trucs qu'il y a dans les Legend of Heroes, hein. Le meilleur truc qu'il y a dans le CGO, c'est ses coffres. Ah merde. J'ai aucun spell avec lui. Ah mais je crois que je lui ai retiré. Je crois que rien en fait. Il a juste aucun spell le héros. Aster Flare, c'est un nouveau truc. Défonce les gens dans les flammes. Mais attends, d'abord j'ai envie d'envoyer un spell moi. Crématoire là. Et je peux pas. J'ai une idée. Ouais, je vais peut-être avoir une idée après. Oh, je peux avoir une idée maintenant. Hein. Ouais, je pense avoir une idée maintenant, c'est pas mal. Voyons voir. On va voir ce que ça donne de faire un spell avec Emma full buffée. Ah mais je me rappelle, c'est la main de mêlée. Ah ça rigole pas. Watashino bande dessinée. Pas beaucoup de dégâts par contre. Rends-nous la waifu bleue. 8000 mais les patates hein. T'as abusé. Mologème. Eh franchement ça fait plaisir de voir des trucs comme ça. Shadow Blade décrise casting time à 25%. Oh mais ça sur Elliot non. Diabolos. C'est un peu comme cast 2 en mieux quoi. Ou alors on met ça sur Emma. Et on considère Emma mieux quoi. Problème d'Emma, c'est que je lui ai pas mis de chouette belle. Elle a quoi, Silver Belle? Ah si quand même, elle a une belle quoi. Elle a une cloche. En tout cas beaucoup moins cheaté que dans les anciens jeux quand même le setup de Quark dans celui-là. C'est quand même un minimum respecté l'univers. Ah maintenant Sceptre est niveau 2, donc ça se trouve maintenant Sceptre je peux buffer sa race.
On va sauvegarder avant de faire ça. Pour voir. Normalement là, Sceptre, tu vas vivre une vie d'artiste. Du coup là si je fais un spell ça va vraiment aller vite. Ah ouais, je peux faire Phantomphobia instantanément quoi. Merde, ils vont mourir. C'est quel type de truc? Ah, ils aiment pas le temps eux. D'accord. Là, elle a quoi comme craft de heal? Elle a pas une heal craft à haut, tu vois. Faut que je prenne Elliot. Et quand on laisse les ennemis jouer, ça fait mal. Hein. On va faire ça. Pas été. Pas essayer les ennemis jouer. Hein. Nice. On va pouvoir rentrer dans le château maintenant. Dun, ta, dun, dun, ta, dun. Are we good? Allez, deux secondes, parce que j'ai plein de fenêtres nulles ouvertes. Laissez-moi les fermer. Mais... C'est bon. Mais what the fuck, bro? Oh, c'est bon. Ah, ok. Le deuxième realm de Shadow. Ouais, il est. Le sentiment qu'elle peut comprendre. Eh ben oui, elle peut. Tu l'as toujours pas compris. Ça, c'est évident. Est-ce que j'ai pas des... Ah, je peux acheter des quartz au cas où. Hein. Alors ici c'est pareil, c'est des portes à ouvrir avec les trucs. Et attendez, là ça bloque. Il y a un truc où je peux ouvrir une barrière, mais bon. Je vais voir ce qui se passe de ce côté. C'est pareil. Ah, ah, il me faut quelqu'un qui a un autre symbole. Oh, c'est... Il est pas censé avoir du piercing, lui? Ah bah non, lui, il a du perçant genre flèche. Oui, il faut avoir le bon symbole de coup, vous inquiétez pas, j'ai compris. Watashi no bande dessinée. Bah c'est lui, non? Yes. Nickel. Allons à droite. À droite en premier, histoire qu'on n'y reste pas. À droite encore.
Et ça se passe. Le héros il gagne trop peu de CP en combat. Le recanon. Peut-être c'est vraiment fait pour les Sephites. Hein. C'est pas un Master Quartz incroyable. Ah merde, c'est bloqué. Le fuck, il se rageait, hein. C'est bon, il a maxé. Alors, voyons voir un peu parce que je crois que j'ai vu 50% d'XP en plus. 25% d'XP en plus. Ok, pas mal en vrai. Hein. On va lui remettre Cannon. Hein. Non, pas Cannon, Aeris. Ah, ouais. Non, il a pas de spell. En fait, il manque une variété de spells selon les éléments aussi. C'est qui pose problème. Attendez, ça commence à être complexe là. Je suis nul de là. Là, je suis en train de faire demi-tour en fait, oui. Ok. Pas devenu complexe, je suis juste possédé. Mais. Zéro art, mais en fait, je peux pas. Je vais nous buffer la défense quand même, sinon l'air mortel. J'adore faire ça hein, parce que sinon. Sinon j'avais un death blow sur les ennemis là. J'avais pas le choix. Hein. Damn. Ouais. Ils étaient forts. Hein. Vite fait XP Magus niveau 5. Ah mais je l'ai déjà fait parce que je lui ai mis, je suis bête. Est-ce qu'ils ont été analysés? Je pense que oui, mais le beurre ça compte hein, pour. Ouais. C'est le rat géant qui est pas analysé. Il y a des embrouilles de route. Une hydre. Une hydre, hein, vraiment. Hein. Faut que je dealer. Elle a pas de truc pour dealer, merde. C'est lequel qui va jouer juste après? Lui? Et ça se trouve, elle va tuer. Ouais, du coup, c'est moi qui ai eu le Death Blow. Faut que je fasse gaffe à ces conneries de Death Blow. Hein. Faire one shot pour rien là. Je joue pas assez avec les attaques dans le dos. Hein. Parce que je fonce bêtement. Enfin, bêtement. Sans vouloir trop perdre de temps et du coup, me retrouver dans cette situation. Donc attendez, le serpent hydre aussi il a pas été analysé, merde, ça fait quand même beaucoup là. J'ai encore des routes derrière moi qu'il faut que j'aille vérifier. Donc déjà le rat, on va pouvoir régler le problème. Fuck it man! J'ai pas remarqué qu'il y avait... Putain, elle s'est fait tuer quoi. J'aime pas ça. J'étais où? Ouais, j'avais pas encore fait les gros. Ouais. Et là c'était bloqué. Mais quelle vie.
Ah ok, je comprends. Elle les a one shot en fait. C'est sans doute la même chose qui s'était passée juste avant. Ouais, on peut pas. Oh! Il y a un critique direct. On le fait, hein. Par contre, ils n'ont peut-être pas été analysés du coup. Pas grave, je pense qu'il y en a d'autres. Et on reviendra. Mais quelle vie! Au moins ils ont pas eu le vanish aussi action, tu vois. Ok. Bon mal hein, quand ils ont le temps de taper ces bâtards. Hein. Donc le rat et le golem de caillou là. J'utilise mes Bravely Point là. Je pense à être abusé, je l'utilise vraiment pas. Ça va se voir au bout d'un moment. Ils vont vanish là. J'aurais pas envie qu'ils me vanish. Alors nulle part. Et c'est moi qui les vanish au final. Non, il a analysé du coup. Ouais. Donc le golem de. Le golem d'acier, même pas de pierre en fait. Mais où est-ce que je suis. Oh là là. Oh, c'est grand. On peut grimper ici. Et là, c'est une autre porte bloquée, ok. On pourrait grimper, mais je vais pas grimper tout de suite. Là, il y a une route. Elle peut faire un spell, elle. Ah oh ouais, la Ragna Vortex, quoi. En fait, elle veut pas être. Voilà, c'est ça. Pour remettre des CP, faut que je l'appelle elle et que je fasse juste Heavenly Gift. Hein. Or, CP up. De manière énervée. Bah voilà, c'est ça. Hein. Je vais prendre la tête. Bon, après, là, je viens d'avoir un bonus CP up plus 50. 50%. Et à d'autres styles golem. Nickel. Je peux prendre ce portail, mais je dois remonter là-haut voir ce qui se passe. C'était juste pour redescendre. Pas mal de ces feats. Alors ce truc là. Ok. I see what it meant. Et d'accord que là-bas,
Ça me menait juste au bazar, ok. Ok, un portail derrière moi, mais je vais pas le prendre tout de suite. On va vérifier le reste. Analyser eux. Pas vraiment que le golem d'acier en fait. Il y avait un truc à briser du coup. Pas du tout. Ok. Qu'il meurt même pas, j'ai mis 34 000. Oh, ils vont tuer tout le monde. Ouh la patate qu'on vient de prendre. Oh, ça fait très mal hein. Ah d'accord, ça a rien de jouer avec les persos quoi. Pas beurre, c'est juste pour être sûr. Et mettre un escrap sur eux, ça vaut tellement la peine quoi. Mais attendez, merde, je les ai pas analysés du coup. Mais oui, je suis bête. Bon, c'est pas grave. Ils sont pas morts de l'ultra de Billy. Pas de Billy, le héros quoi. Oh, bourré, ça a marché hein. Comme quoi. God fucking damn it. Du coup là je peux aller par là. Bourré. Bourré comme si on jouait à Pokémon quoi. On bourre à. Est-ce que ça a marché? Ouais, il est trop gros comme Pokémon, je suis là. Merde. Ah, elle pourrait faire un petit crit. Avec une petite attaque, allez. Je pourrais au moins avoir un spell hein, quand même. Parce que je compte sur des spells instant. Et le héros, il peut même pas faire de spell quoi. C'est quand même la loose. J'ai 1 000 000, bon c'est marrant mais j'ai aucun spell quoi, vraiment. Oh, c'est chaud hein. Le mec l'homme guerrier quoi. Ah merde. Ah, on va pouvoir faire ce que j'ai dit du coup. Ah merde, mais tout le monde est pas full vie. Oh, quelle vie. Oh, écoutez. On va tuer. Hein. On essaie de tuer, non? Mais elle a tué tout le monde, mais ils font chier hein. Jamais je leur ai analysé hein. Peut-être qu'il va se faire analyser de base. Parce que on l'a tellement tué le golem. Ah bah voilà. Il s'est fait analyser parce qu'il est tellement mort, il a dit c'est bon. Il a dit c'est bon les gars. Alors chaque rabatterie j'aime. Silver Thorn, Saint. Oh c'est bien. Oh c'est très très bien. Oh j'aime beaucoup hein. C'est mieux que Braham hein.
C'est mieux que Braham en vrai. Ah non, mais c'est un peu support. Braham, c'est une attaque. Pour du support, c'est un peu elle, quoi. C'est un peu support. Vu que c'est un peu du support et que lui, il fait pas de spell magic de toute façon. Avec support, c'est un peu pour lui. Chakra Navati, là. Bah oui. Évident. Déjà qu'il met des spells sur Rin. Ah, faut bien un petit spell, tu sais, pour faire le mec. Tu sais, ils sont à l'école. Même si t'es un guerrier, il faut que tu réussisses les cours de spell. Alors tu prends un petit spell, histoire de faire croire que tu connais les spells. Même tu sais, la famille. Tu vois, c'est pour avoir la moyenne. Allez, bim! Bim bam boum. Achata Magdoum. Bah oui, avec l'espèce du Master Quark. Mais vu que moi je lui ai mis Vermillon. Ah, mais d'ailleurs, si je mets Vermillon sur. Sur la waifu, elle prend encore plus de dégâts. Parce que là, quoi que le bonus de force, ça se fait combien? Plus 2. Ça fait x2. Ça fait x2 quand t'es full vie. Et ça, c'est 50%. Je vais essayer une fois. Parce qu'elle a le, elle a le, aussi le truc qui fait dégâts x2 quand elle fait son premier craft. Du coup, elle a x4. Ça va être incroyable. Je crois que je peux one shot ces golems avec un craft limite. Ah, je peux pas là. Oh, ça aurait été incroyable de faire ça. Ah, mais je vais mourir. Oui. Bah je vais mourir parce qu'elle peut pas faire, elle a pas de mana. Oh là là, les dégâts. Bon, c'est pas grave. Oh là, je vais mourir. Je peux pas mettre quelqu'un pour que je meure pas. Non, lui. Défense un peu. Un autre buff de défense et c'est bon. Daijoubu. Ah mais là il faut décaler monsieur, ne jouez pas monsieur, please. J'ai l'impression qu'il a pas été décalé. S'il avait été, bon, c'est pas grave. La musique, vous connaissez quoi. Est-ce que c'est que la musique, monsieur? Vous connaissez pas? Si vous connaissez pas, je peux pas vous aider. Mais qui vous avez tapé comme ça? Restez ici. En vrai, jouer avec les deux healers et les deux DPS, c'est le mieux. Hein. Tiens, Elliot, je te laisse Laura en waifu. Au final, je préfère Emma. Elle est trop cute. Faut aller par où en fait? Mais cette map, hein. Cette map en fait qui te cache la map une fois que tu montes un peu des escaliers, quoi. Regardez, hop, je suis ici et je vois plus rien ensuite. Allez, salut vous. Bon, je devrais peut-être faire ces combats histoire de gagner de la mana. Ah, mais là, il y a un death. Il y a un assassinat, faut que je tue ce truc. Oh, c'est one-shotisme. Oh, tu sais, le best of disp, ça. C'est le joueur, c'est ça qui est beau. Play my fight. Oh, elle est quand même violente. Hein. Et du coup maintenant je peux juste prendre le portail, hein. Ouais. Yes. C'était un peu la route vers la victoire. Ben il est, c'est gratuit. J'ai rien dit, je sais pas par où je vais en fait.
En fait, je suis paumé. Y avait pas d'autres... Attendez. Y a que deux portails, mais je suis revenu du même. J'avais pris à droite. Ah mais merde. Ah non. Ah non, pas merde, c'est pas du tout la même chose. C'est parfait. C'est l'entrée et la sortie menaient au même portail, très bien. J'ai pas remarqué vraiment si elle faisait plus mal avec Vermillon, faut que je fasse gaffe. Genre armor break, 11 000. Sur un rat. Très bien. Une fois à l'autre rat. Oh, je te baise. Oh, je te baise. Ouais, ça fait bel et bien plus mal, hein, mais bon. Pas de temps que ça. Autant garder le x2 sur Rin. Mais attendez, je commence à avoir l'impression que c'est un endroit où je suis déjà allé, mais. En fait, non, c'est juste que. Ça se ressemble tellement. Mais on peut vraiment rien faire. Après, j'ai eu un avantage. Simple, certes, mais un avantage quand même. Défense plus 50%. En fait, ce spell-là est insane, qui donne défense plus 50%. Mais ce qui fait chier, c'est qu'elle lui donne pas à elle. Et vraiment. Il va vanish quelqu'un, ça va être trop chiant. Ouais, là c'est parti pour être chiant. Là c'est parti pour être chiant. Oh, c'est parti pour être chiant là. Oh, c'est chiant. Oh, mais ils l'ont tué, ils font chier. Auto-attaque, qu'est-ce qu'il y a? Oh, font chier quoi. J'étais où? Je me laisserai pas tuer un personnage par ces idiots. Ah merde. Ça y est, je suis paumé. Ah, si, je me rappelle. J'avais fait le serpent juste avant en l'insultant en mode hop, je te baise. Merde, je fais baiser. Bon, en vrai, il faut que je reprenne la mana. Viens me blesser avec Heavenly Gift. Je me fasse gifter du Heavenly CP. C'est pas assez de CP ça. Laisse-moi. Putain, mais elle peut même pas Heavenly Gist. Eh, ça me rend dingue. Ah bon, Adamant Shield alors. Ah, j'ai un crit.
Donc tu en as un bel. Ah mais c'est AOE, c'est vrai, ah bah vraiment. Tu peux pas faire plus l'arnaque du coup hein. Flame Impact. Mais on va se faire patater. On a failli se faire patater. T'es Pelos ! Ah ouais. C'est la vie qu'on a choisie. Non mais faut lui faire des attaques de temps. Mais moi aussi je fais des spells. Ouais, j'ai pas... Panique ! Nice. Heal up. Oh la route est longue hein. Je savais qu'il y avait plein de debuffs de merde, mais il y avait tous les one shot en boucle. Ah, mais sans les CP, c'est chiant les golems de. Les golems de golems. Il faut savoir. Hein. Genre, ça, c'est pas une flèche, tu vas me dire. Vraiment. Hein. You need to know. Da, 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 da. On se retape ce golem. Ce golem royal. Elle a un petit avantage au moins. Mais je pue ou quoi? J'ai scène sur ce perso? Non, bah. J'ai scène sur personne, d'accord. J'ai mis scène sur personne, c'est de la merde scène. C'est pas vrai. En plus il me voit. Ah, il est trop fort. Oh, mais c'est cramé qu'elle tue là. ...87 000. Non mais le boss de fin du jeu. Si je lui fais des patates comme ça, il n'y a plus de game en fait. 87 000 euros. Bon, c'est juste quand même abusé. Hein. En fait, le bonus de Dominion, c'est juste craquer avec un crit. Et en plus, ça compte sur un quartz, sur un craft, vu que le S-craft, c'est un craft. Du coup, x2 sur un S-craft crit. Autant dire que c'est un critique into réussite. Comme si tu faisais un critique dans une réussite critique. Tu faisais un critique de ta réussite critique. Imagine elle plus Richard. Non mais Richard il est à un niveau 10 000 fois au-dessus que Laura bien sûr. Vous le comprenez donc, vous le comprendrez jamais. Richard il jouait tout seul. Là j'ai quand même dû avoir un crit. Et je l'ai buffé avec, avec le mec avant avec motivation. Richard, il avait besoin de personne, Richard. C'était la team Richard. En fait, j'avais fait, il y avait trois routes. J'avais fait une équipe pour une route, une équipe très forte pour une route, une équipe très forte pour une deuxième route. Et puis la troisième route, j'ai juste mis Richard et le reste. C'est ça qui est beau. J'ai fait la team des mecs, la team des meufs et Richard. Richard et les randoms. C'est comme ce... Vous vous rappelez de cette émission quand on était petit je sais plus quoi et les musiciennes ou j'en sais plus... je sais plus, aidez-moi, au secours. Et vous vous rappelez, c'est cramé, vous vous rappelez. Alors pourquoi y a pas une sortie rapide dans ce côté-là du donjon?
Ils en ont mis une dans le donjon, dans la partie gauche du donjon, droite plutôt. Alors il essaie aussi. Vraiment, se refaire des CP, c'est chaud. Hein. Vraiment? Je suis donc non aveugle. Vérifiez que j'ai analysé tous les mobs quand même. Il a besoin de Chira pour aller plus vite. Mais non, parce qu'il a été en vitesse, qu'il rejouait tout seul tout le temps. Franchement, dès que c'était son tour, il jouait 3 ou 4 fois de suite. C'était abusé. Les autres, ils faisaient des spells, mais c'était pour croire pas que le jeu était trop simple, tu vois. Je faisais le mec qui buffait et tout, tu vois. On vient de pas dire ouais tu mérites pas cette victoire en difficile, le jeu était simple, t'as joué avec Richard, tu vois. Alors, j'ai fait croire qu'il était pas si cheaté que ça. Mais maintenant que c'est fait, c'est passé. Moi je vous le dis moi. Richard, t'es ça. Merde, j'ai mal visé. Ouais, je disais bien, j'ai mal visé, j'ai raté l'insecte. J'aurais pas survécu en vrai. C'est bon, la porte démoniaque est ouverte. Regardez moi. Va me healer et tout. Par contre, il me faut des CP. Hein. Plutôt qu'aller faire des combats, je pourrais manger un peu de bouffe pour une fois dans ma vie. Comment on mange de la bouffe? Ouais, dans le menu. Parce qu'avant, on pouvait en manger depuis le menu de recettes. Qui était vachement pratique parce que dans le menu recette tu vois tout de suite très simplement qu'est-ce qui est buffé. Alors que là tu peux juste cuisiner. Alors que quand tu viens ici pour manger, c'est de la merde, tu vois mal. J'ai pas des trucs qui donnent full CP là. Il va y avoir un boss là. Ça donne 100 CP ou ça cause la mort? Ah ouais. Il rigole pas en fait. Ça rigole pas les objets dans le jeu. Oh les combats, c'est vrai que dans les combats c'est plus simple à voir, mais moi j'aime bien manger avant, c'est plus RP. Oh Aulus, Aulus j'aime. C'est quoi? Et plus 15%, mais c'est pour moi ça. En plus ça me donne un spell, ça fait genre 10 de force, 50 de précision, 15% d'esquive, donc je passe à 60, 10 de déplacement. Parfait. J'avais quoi à la place? J'ai déjà oublié ce que j'avais mis. Evade 2 bien sûr. Oh c'est tellement propre. Dommage que j'ai pas trouvé une gemme d'attaque. Une gemme rouge qui a un autre nom qu'attaque, tu vois. Genre Nyctaras gemme. Comme ça t'as pas vraiment de gemme d'attaque tu vois. Ah c'est toujours pas fini, je pensais que ce serait le boss. Bon la vidéo fait déjà une heure. Je vais la couper ici et on continue la deuxième partie du donjon. Attends, attends, attends.